Bonjour à tous, merci d'être là. Alors aujourd'hui, ça va être une pratique spéciale chaleur, spéciale été ou spéciale colère, émotion forte. En fait, on va travailler un pranayama qui s'appelle Shitali, qui veut dire rafraîchir ou apaiser. Et donc ce pranayama se pratique quand il fait très chaud à l'extérieur ou alors quand on a surchauffé le corps, par exemple, quand on a pratiqué une pratique intense, qu'on a très chaud. C'est très bien de faire Shitali après ça, et aussi du coup quand on a des émotions qui se ramènent à la chaleur, comme la colère ou des choses où on sent qu'on aurait besoin de... Ok, donc pour Shitali, on va trouver cette sorte de U, de cercle avec la langue. Alors si ça ne marche pas, si ce n'est pas naturel, si on n'y arrive pas, on peut trouver la variation avec les dents serrées. Et on vient relâcher la langue à l'intérieur. Et on va respirer à travers ses dents. Donc ça, c'est la variation, si on ne peut pas rouler la langue. Sinon, on vient rouler la langue et on inspire par la bouche. C'est un des rares pranayama où on inspire par la bouche. Donc on vient inspirer à travers la langue et j'expire par les deux narines. Donc, comme ça. Comme les pranayamas pour calmer le corps, on vient doubler le temps de l'expiration. Donc on va faire 4 temps à l'inspire et 8 temps à l'expire. Si c'est trop pour vous, n'hésitez pas à faire 3 temps à l'inspire, 3 temps à l'expire. On va faire ça 5 fois. On y va. Et après le dernier, venez retrouver une respiration normale. Et on va le refaire encore une fois, 5 respirations. Moi, je vais faire la variation avec les dents serrées. Mais si vous arrivez à rouler votre langue, alors faites avec la langue roulée. Sauf si vous voulez essayer avec les dents serrées, c'est tout à fait possible. Ok, expirez complètement. Et on y va. Et venez retrouver une respiration normale. Gardez les yeux fermés. Et venez ressentir l'effet de ce pranayama sur votre corps, sur votre esprit. Relâchez la mâchoire, relâchez les muscles du visage, les épaules, le ventre.
Venez respirer dans votre ventre. Laissez votre ventre se gonfler à l'inspiration et le nombril se rapprocher de la colonne à l'expiration. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Remettez la conscience dans votre corps, ici et maintenant. Remettez la conscience dans votre odorat. Dans votre oui, dans votre toucher, dans votre kinesthésie, mon corps dans l'espace. Et gardez la vue pour le dernier moment, jusqu'à la fin de la pratique. Et venez mettre les mains en prière au cœur. On va finir par un Om. J'honore mon intuition et mon intelligence. J'honore ma parole. J'honore mon cœur. J'honore mon ventre. J'honore ma création. Merci.